Bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne Les Secrets de Nana, je suis Razika. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire découvrir une enseigne. Alors je ne sais pas si vous connaissez ou pas, vous me le direz en commentaire. C'est Fêtes et Sensations. Alors je me suis dit pourquoi pas vous faire découvrir cette enseigne, parce que dans cette enseigne on trouve plein de choses pour faire la fête, mariage, anniversaire, etc. Et je sais que vous êtes beaucoup à ne pas connaître cette enseigne. Je suis à Fêtes et Sensations de Cervon. Donc je pense qu'on va avoir là la thématique d'Halloween puisque on est en plein dedans. On verra après. Donc voilà, on découvre les rayons, comment ils sont faits, ce qu'on peut y trouver. Donc là, c'est le rayon plutôt enfant avec Mickey et Minnie. Puis on avait aussi un club de foot. Au niveau des prix, on va juste regarder. Après, je pense que ça sera plus ou moins les mêmes. Donc les nappes sont à 3,90€, les guirlandes 4,90€. Et ça, c'est super si on a envie de faire un anniversaire avec un thème particulier. Après, on a pour les plus petits des bougies 3,90€, les cupcakes 3,90€. Donc là, dans ces rayons-là, vous allez tout trouver. Les verres, les assiettes, les décos du héros de votre enfant. Pas de patrouille. Les sacs bonbons 1,90€. Hop. Les petites décos, vous voyez, les petites guirlandes de mots gonflables. 9,90€. Alors là, on est dans le côté plage, été, ça sent l'été. Vous voyez, avec des petites assiettes en forme d'ananas, 3,90€. Les fleurs, les boules là de rose. Ah bah tiens, je vois quelque chose. Réduction en caisse. Donc si vous achetez 5 articles, vous avez 5%. Et par 10, 10%. Alors je vous dis ça, mais quand on fait un mariage, vous allez voir aussi pour les communions, etc., on dépasse vite les 10 pièces. Et si j'ai décidé de vous faire ce thème, hein, c'est parce que, enfin cette enseigne et ce thème de fête, hein, c'est que vous êtes beaucoup à me dire en commentaire, tiens Nana, où est-ce que je peux trouver tel déco ou tel personnage. Les piñatas. Oh, oui, Superman. 19,90€. Le cœur. Le camion de poupée. Petit fauteuil de princesse. Alors la piñata, ceux qui ne connaissent pas, en fait le but c'est de mettre des bonbons dedans, et puis en fin de compte les enfants vont s'amuser à mettre des petits coups de bâton dessus pour casser la piñata, et puis hop, les bonbons arrivent sous forme de pluie, des petits cadeaux pour les anniversaires. Oh, c'est rigolo ça, je sais pas si vous avez connu vous. Donc il y a 12 jeux de patience, ça porte bien son nom. 5,99€. Oh, les petites palettes de peinture, 12,95€. Après, encore une fois, quand je vous montre ce genre de magasin, c'est à vous de faire la part des choses. S'il y a des choses que vous voyez ailleurs moins chères, vous êtes libre de tout achat. Mais je trouve que là, par exemple, il y a des choses vraiment originales. Et franchement, ça vaut le coup de venir si vous préparez, je vous dis, une fête, un anniversaire, etc. Après, on va avoir les anniversaires plutôt adultes ou ados. Donc le serre-tête doré, pailleté, 4,99€. On a des tirelires, vous allez voir, vous voyez par exemple les tirelires. Moi je me suis toujours demandé où en acheter quand j'en ai eu besoin d'une. Je me la suis fait fabriquer. Je ne savais pas que ça se vendait déjà fait. C'est idiot peut-être, mais je ne savais pas. Donc voilà, donc là on a l'urne par exemple pour les 20 ans, 8,95€. Après vous choisissez l'âge. Il y a même les assiettes, vous voyez, avec l'âge, 4,49€. Donc on va avoir les gobelets, les nappes. Les bougies, alors c'est bien parce qu'on a déjà le chiffre, parce que d'habitude il faut acheter un, et là voilà, ils sont déjà composés, donc on a plusieurs couleurs, rose, gold ou doré. 1,99€ la bougie et les deux 2,49€. Vous voyez les petits ramequins là, 3,99€. Voilà, on peut faire aussi un apéro sur un thème, hein. Ça, c'est des clips. Vous voyez, ça peut être sympa sur les verres. Et comme ça, vous notez le nom des personnes. On est en forme de disque. Oh, c'est rigolo, ça. Les ballotins,
cassette. Faites une fête, voilà, spéciale années 80. On a plein d'autres choses, hein, des bougies, alors, voyez, tout ça comme bougies. Avec les bougies, soit les personnages, soit les bougies, les petites bougies comme ça, le premier anniversaire. Les fontaines lumineuses de 99. Ça, c'est des choses, un anniversaire, je le dis toujours, ça se prévoit. Alors, des fois, on oublie certaines choses, hein, mais plus on s'y prend à l'avance et plus on a des choses intéressantes. Et toujours moins cher que si on devait au dernier moment aller, dans un commerçant qu'on n'a pas forcément choisi et payer ça, parce que ça, je peux vous dire que je l'ai vu dans des commerces à 4 ou 6 euros. Je suis désolée, je le dis, c'est vrai. Et donc après, on est obligé, on achète parce que on n'a pas le choix. C'est vraiment rigolo. Hop, thème pirate, thème VIP. C'est rigolo, ça. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on met, soit sur les bols comme ça. J'aurais jamais pensé à faire ça pour mettre ce que c'est à l'intérieur. Ça peut être intéressant parce que si on invite des personnes et qu'on va mettre des aliments, particuliers, on peut mettre. Comme ça, la personne sait si elle peut manger ou pas. Après, la nappe VIP, 2,95€. Après, on a les ballons qui vont avec, on a les couronnes. Ah, ça, c'est sympa, la déco à suspendre autour de la porte. 11,90€. Tiens, dites-moi en commentaire quelle est la thématique anniversaire que vous avez, qui vous a le plus plu, vous avez trouvé original, alors que vous soyez invité ou que vous l'ayez préparé. Vous voyez ? Les boîtes, hein, les petites tirelires. Et je trouve que c'est sympa parce que un anniversaire à partir d'un certain âge, surtout quand on ne connaît pas la personne, c'est mieux de donner un petit billet, comme ça la personne s'achète ce qu'elle a envie, ou fait une cagnotte après pour s'offrir un voyage ou un article beaucoup plus cher. C'est vrai que remettre l'enveloppe à la main, c'est pas top parfois. Regardez comment c'est magnifique. Après, comme je dis, hein, vous pouvez faire un basique et puis après agrémenter de plusieurs articles un peu originaux. Regardez comme la feuille là. 3 coupelles, 2,90€. Celle-ci, je ne l'ai jamais vue. Hop, le petit joyeux anniversaire à 2,90€. Les petits diamants. Oh, je n'avais pas vu que c'était ça. Vous voyez, par exemple, pour les fêtes de fin d'année, en fait, c'est des petits diamants et vous pouvez insérer. D'ailleurs, elles sont là, les petites étiquettes, avec le nom de la personne. Très bonne découverte. Et c'est 6,50€. Après, c'est des choses que vous gardez. Et vous allez remettre plusieurs fois dans l'année ou les années suivantes. Vous voyez ce genre de petit article, je trouve ça original, ils existent aussi en noir. On a aussi des stylos gel pailletés, 2,50€. Ah oui, les baby c'est de l'autre côté, on en parle après. Les baby showers, on en parle juste après. Tiens, par contre, une table baby shower, donc fille ou garçon, on en parle tout de suite, parce que c'est dans ce rayon-là. Donc fille ou garçon, oh, c'est rigolo ça. Je découvre avec vous, hein, parce que c'est vrai que c'est très à la mode les baby showers, moi de mon époque. Enfin, ma fille a 5 ans, on ne faisait pas encore de baby shower, c'était encore pas arrivé, on va dire, chez nous, on va dire ça comme ça. Et du coup, maintenant, les baby showers, c'est une petite fête pour annoncer le sexe de l'enfant. Et donc là, à mon avis, sur la boîte, il y a écrit fille ou garçon, donc vous savez ce que vous achetez quand même, c'est pas un hasard. Et du coup, vous posez ça sur les tables et les personnes vont gratter et vont savoir ce que c'est. C'est rigolo, ça. Hop. Donc ça, c'est une table d'anniversaire. Donc on fête les 30 ans avec la boîte, tout ce qu'il faut. Vous voyez, les petits confettis comme ça. Ça, c'est sympa aussi. Donc je pense qu'on peut y mettre des petites, je sais pas, des petites bougies peut-être chauffe-plat. Alors monsieur, alors ça c'est plus, je pense, petite table de mariage. On a des objets de déco là, par exemple le banc en bois. Une petite déco dont on aura peut-être bientôt besoin. Enfin, c'est même sûr, je dis peut-être, mais voilà. Les décos. Alors les petits bancs, je sais pas pourquoi pendant
quelques secondes, je me suis demandé à quoi ça servait, mais si, pour faire les décos des mariages. Il y a beaucoup de mariages sur le thème champêtre. Enfin, je ne sais pas si ça se fait encore, mais romantique, champêtre, ça peut être intéressant. Donc là, on a la petite, le porte-photo fenêtre. Donc, pourquoi pas dans un mariage, peut-être mettre les photos du mari, de la femme, trois âges différents. Allez, on y va. Mariage. Pareil, hein, c'est vrai que côté mariage, moi, je me suis toujours demandé où trouver ces petites figurines, etc. Donc, on a plusieurs couples. Voilà. Juste avant, il y a un côté baby shower, j'allais dire baptême ou baby shower. Donc, baby shower, donc shower rose. Oh, regardez. 10 serviettes bébé. Déco de gâteau. Vraiment, on a tout. Oh, les petits nounours. Hein. Et c'est des petits sticks doudou. 2,99€. On les a en vert aussi. Monsieur Chou. Les suspensions. 1,99€ pour faire la petite déco de la pièce. Les assiettes. Oh, l'écharpe pour la future maman. Bon, je pense que on va la reconnaître dans la salle. Bon, sauf si, je ne sais pas, sur 10 invités, il y a 4 dames enceintes. Voilà, mais en général, bon, bah voilà, on reconnaît la future maman. Pas besoin d'écharpe, mais c'est vrai que c'est sympa. Hop. Baby shower, donc avec les petits bibons bleus. 2,99€, les petites roses pour faire la petite déco. Alors là, on est dans le côté mariage. Des petits sachets. Et on a plusieurs en coton à 5,95€. Je vous ai fait un plan large comme ça. Vous pouvez regarder par là si j'oublie des choses. Suspension lumineuse. Mariée 9,95€. Après, on a les guirlandes. Et les petits coussins. Pour l'échange des alliances, 3,99€. On a les packs de cash rétro pour reconnaître la voiture des mariés. On va voir tout ce qui est photo fort avant de passer côté mariage. Oh, elle est jolie, boule vert craquelé, trop beau celui-là. 17,95€. Ensuite, la grande roue qu'on a vue tout à l'heure, 17,49€. On a le limonadier 8 litres, 22,49€. Le bougeoir comme ça, doré. 19,95€. Le rose avec des petits losanges. 9,95€. Oh, trop mignon ce bougeoir. 3,99€. Alors l'offre par 5 là et par 10 c'est valable il me semble dans tout le magasin. Le fameux panier. Alors fameux, j'ai dit le fameux panier, mais c'est vrai que moi j'en étais restée au panier pour les dragées. Donc en général on met des petits dragées dans des paniers comme ça. Alors on va voir de l'autre côté ce qu'ils nous proposent. Les fameux bougies flambeaux 40 cm, 4,49€. Côté mariage, je vois des éprouvettes et je me dis mais qu'est-ce qu'on peut faire avec des éprouvettes. Je pense mettre des petits dragées, alors il n'y en aura peut-être pas beaucoup. Et puis du coup il y a le petit support à dragées là. Donc 7,95€. Après pour les dragées, on a ça, donc 4,49€ en forme de bonbon. Après on a les petites boîtes comme ça. Les éprouvettes, on les a en bleu, en vert, en blanc, en rose. Après on a les petits. Oh c'est trop mignon ça. Des petites boîtes comme ça. Pour à dragée, alors faut que je trouve le prix. C'est écrit en gros en fait. 99 centimes. Donc on les a en noir, on les a en rose. Petit confiturier. On a celle-ci aussi écrit amour dessus. 99 centimes. Hein. Et après on a les dragées. Donc dragée catalane, 14,95, amande. Et donc on a plusieurs couleurs, plusieurs choix de dragées. Les housses de coussin, housses de chaise par 10, elles sont à 14,95.
les ombrelles blanches, 16,95 €, donc en déco, où j'ai vu aussi, on pouvait l'ouvrir, j'ai vu une fois aussi faire et poser les dragées à l'intérieur. J'ai vu faire une fois, alors je ne sais pas si c'est ceux-là, hein, si c'est ces ombrelles-là, mais voilà, c'est sympa. Alors je vous parlais tout à l'heure du rayon mariage, mais on y était, hein, je ne sais pas pourquoi dans ma tête, on allait voir le rayon mariage alors qu'on y était. Après, je vous disais, bien sûr, on est en pleine thématique de Halloween, et pareil, il y a plein de déguisements et de déco Halloween. Regardez d'ailleurs, le magasin est déguisé, décoré sur le thème Halloween, regardez. Oh là là. Puis il y a la musique, je ne sais pas si vous entendez sûrement pas la musique, mais regardez. Ensuite, on va voir les accessoires, surtout les thèmes, hein, si vous avez envie de vous déguiser sur un thème bien particulier. Alors, je pense aussi que très souvent, le jour de l'an, en général, il y a beaucoup de fêtes organisées justement sur une thématique. Hein. Il y a des masques et tout, 8,95 €. Et il y a une thématique, donc voilà, ça peut être un magasin assez sympa. Oh, il est beau celui-là, il est gros. Et donc, il y a plein de thématiques. Hein. Il y a après de l'autre côté les perruques. Je sais qu'il y avait un point conseil aussi. Donc là, il y a des personnes pour vous conseiller sur le déguisement. Et il y a aussi une cabine d'essayage. Donc je pense qu'on va vous conseiller après au niveau du maquillage, etc. Les collants, hein, pour avoir un déguisement vraiment complet. Après, on retrouve après des thématiques, mais vous voyez, par exemple, celui-là, là, on parle d'Halloween, mais pas forcément. Hein, on peut déguiser comme ça tout au long de l'année. Voilà, tout ce qui est accessoires, lunettes. Les chapeaux, alors, chapeau explorateur, 8,95 €. Chapeau Lima, 6,95 €. Pareil, dites-moi en commentaire quel est le déguisement que vous avez aimé porter, ou quelle est la thématique que vous avez aimé ou que vous avez trouvé originale. Et c'est vrai que des fois, je vois personne organiser sur des thématiques. Après, ça va être des années, des fois années 60, années 80, etc. On est plus chez les enfants là, du coup. Ensuite, les déguisements adultes, les Indiens, donc 24,95 €, docteur 34,95 €, femme médiévale 29,95 €, la jolie Aphrodite 54,90 €. Vous voyez, vraiment, vous avez pas mal de déguisements. Après, on a aussi des déguisements comme ça. Donc, hop, chemise partie. 19,95 €. Avec les sequins. Jean-Claude. Je pense que c'est le personnage des bronzés. Jean-Claude, je crois que ce soir, je vais conclure. La sirène, Super Julien. Après, on a les Marvel, donc costume enfant, 19,95 €, mais il y avait adulte aussi, hein, Wonder Woman, 39,90 €. Ensuite, on a les combinaisons, vous savez, comme ça, trop mignon celui-là, 42,50 € en combinaison, comme ça, on a la vache. On a tout ce qui est cotillon, confetti, les pochettes pour 10 personnes, 9,95 €. On a les craques. S'il y en a 4 pour 9,95 €, donc à l'intérieur c'est des petits. Alors je vais regarder. Oui, je me suis dit peut-être qu'ils étaient vides, c'était à vous de les remplir. Non, en fait il y a 4 petites surprises à l'intérieur. Oula, on a des choses classiques comme les ballons, classiques ou pas, parce qu'il y en a qui sont assez originaux. Hein, ceux-là avec les petits poney. Ah, on revient dans la baby shower avec les ballons filles ou garçons. Je savais aussi qu'il y avait autre chose qui concernait les mariages. Les tirelires cage. Donc souvent on voit ça où on doit mettre la petite enveloppe dans la cage. En tout cas, elles sont très jolies. Il y a du doré,
Il y a du marron et il y a deux tailles. Il y a la grande et puis il y a la petite. Il y a d'autres couleurs. Donc la tirelire cage noire, elle est à 10,95. Les petites sont à 10,95. Et après, tout à l'heure, je vous parlais de tirelire d'urne aussi. Pour les mariages, ça peut être le cœur. Avec la petite fente. Vous voyez, on a différents coloris. Tiens, pour la baby shower. Donc, urne à thème, 17,95. Et puis ceux unis, 14,95. Donc ensuite, on a tout ce qui est guirlande. Donc voilà, pareil. Hein. On a plusieurs thèmes, plusieurs couleurs. Ah, les fameux nœuds, hein. 2,99. Pareil, des fois, ce genre d'article, voilà, on ne sait pas où l'acheter. Et du coup, soit on va aller vraiment dans des magasins spécialisés. Je pense qu'ici, il y a peut-être, au niveau des prix, ça peut être plus intéressant. Et on trouve vraiment plein de couleurs. Les rubans, 3,99. Pailletés. Ah, les rubans jute dentelle, 7,95€. On a ceux-là ou ceux-là, 6,49€. Voilà, puis là, vous avez des petits exemples de déco. On a les fameux jeux apéro. Hein. On a des t-shirts. Champion du monde des papas, j'ai atteint l'âge de la perfection. Donc, il y a plusieurs petits messages. Les verres aussi. Ah, il y a même du papier toilette, hein, after cuite. Voilà les mugs un peu avec des messages un peu particuliers. Tiens, il est sympa celui-là. Donc 7,95. Et les mugs comme ça, 8,95. Ouais. On a plein de petits articles comme ça. Et pareil, des fois, on va rechercher un article comme ça avec un message particulier pour un anniversaire, une retraite. Ou juste un message qu'on a envie de faire passer à une copine ou... ou pas une copine. Voilà. Les bouteilles d'hélium. Donc on a 50 ballons à 49,95€. Et on a celle qui fait 30 ballons à 39,95€. Alors l'hélium, ça sert à quoi? Ça sert à ce que les ballons restent en l'air. Je vous disais parce que parfois on pose la question. Et donc du coup, quand vous aurez gonflé vos ballons, vous pourrez les mettre comme ça au plafond. Et ça va tenir. Alors, voyez, on va regarder juste au-dessus là. Regardez toutes les thématiques. De ballons aussi. D'ailleurs, vous avez la possibilité de vous faire gonfler les ballons sur place. Après, alors je pense que si c'est un ballon, ça va, mais si c'est pour gonfler 20 ou 30 ballons, faut prévoir comment les transporter. Bref, voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis de voir un petit peu ce qu'il y avait dans ces magasins. Je suis sûre que vous êtes déjà passé devant un Fête et Sensations quelque part et que vous n'êtes peut-être pas rentré parce que vous vous êtes dit « Oh bah, ça n'est peut-être pas intéressant, il n'y a peut-être pas ce que je cherche ». J'espère que ma vidéo, voilà, voilà, parfois ça sert aussi à ça, donc découvrir un magasin. Et j'espère qu'elle vous aura aidé en tout cas. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt.